Salut tout le monde, c'est Ikaïs et j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Surtout que moi, je me lève. De mon côté, je vois certes le boss rush qu'on attendait tous, hein, la bataille infernale contre les boss. Donc en live, on va pouvoir faire des choses assez sympathiques. Surtout que ça coûte 0 ACD, donc on va pouvoir enchaîner ça très rapidement. Le truc, c'est qu'il y a un event, un défi qu'ils ont rajouté. Uniquement sur la globale, je ne sais pas du tout si c'est sorti sur la Jap, il ne me semble pas parce que sinon on l'aurait vu. Mais c'est le combat d'Okan effréné. Alors qu'est-ce que c'est que le combat d'Okan effréné? De ce que j'ai compris, il va falloir prendre ton chronomètre et aller le plus rapidement possible. Attends, ça me fait penser à quelque chose ça. Je vous mettrai dans tous les cas, dans cette fiche, tous les boss que j'ai fait en 5 minutes et je continuerai à les faire même s'il y a le Dokkan combat effréné, je sais pas quoi, bref. Donc en tout cas, c'est venez à bout des niveaux en un temps record et montrer au monde ce que le mot puissant signifie. Donc apparemment il va y avoir un tournoi, je ne sais pas du tout comment il compte s'y prendre, surtout qu'il y a certaines personnes qui ont brûlé l'air et d'autres pas. Et bon, après brûler l'air tu ne peux pas le ban, c'est juste qu'il faut avoir de la chance de l'avoir. Mais c'est vrai qu'avec lui c'est beaucoup beaucoup plus simple. Donc apparemment il y a un tournoi le 1er juillet 2017 à 18h je sais pas quoi à Los Angeles. Wesh, carrément par rapport à Dokkan Battle. Donc ça va être pas mal de suivre tout ça. Apparemment le niveau de 1 au 3 seront ajoutés successivement, donc il y aura 3 niveaux. On fera ça en vidéo justement, ça c'est pas mal. Et le boss rush on fera ça en live. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le combat d'Okan effréné. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne l'ai pas fait, je me suis levé, je me suis dit il faut absolument que je le fasse avec vous. Donc ça coûte 0 ACT, tu balances. Et je vais essayer de partir avec ma team la plus efficace. Donc on va prendre un wesh. Ah d'accord. Ah ok, je vois les bails, je vois. Donc en termes d'amis, tu peux pas choisir des amis, c'est juste le jeu te propose ça. Pas spécialement monté, d'accord. Donc ouais, bon bah après c'est pas fifou et également ce que je propose, j'aurais dû monter un peu l'arbre de mes personnages. Le seul arbre monté à 50% c'est Blagoku Rosé, les autres pas trop monté, donc j'en profiterai, là c'est vraiment pour la vidéo, je balance ça, en espérant faire un bon temps. Senzu Dende, Phantom Dragon, allez c'est parti. Start. Donc je ne sais pas du tout à quoi correspond ces différents boss. Ok, il y a un temps, par contre faut aller prendre lequel. Là il y a Vegeta CD3, là t'as Goku, il y a plusieurs chemins, là t'as Trunks. Ouais. Ouais, là c'est les Super Strike. Ok. Susceptiblement. Trunks. Bah, je sais pas du tout en fait comment ça se passe. En fait, t'as 3 chemins. Et après, faut battre le chemin le plus rapidement quoi. Au niveau des 3 chemins, comment ça se passe si j'attaque Trunks, sachant que j'ai des. J'ai Blagoku Rosé et Blagoku, tu penses que ça devrait le faire ou pas? Genre, ça va faire mal ou pas? Ça va casser des bouches ou pas? Je sais pas. Alors si je vais tout droit, allez on va aller tout droit, soyons fous, moi j'aurais dit Trunks, mais soyons fous. Donc là il y a un temps, comment ça se passe? Moi je vais pas chercher à comprendre, on va attaquer Rapidos, Illico Macias, hop là. Ouais, hop là. Et hop là. Je vais pas chercher à comprendre. Là je pense que j'ai pas pris le meilleur chemin. Ouais, je pense que j'ai pas pris le meilleur chemin, sachant que je crois que c'est le. C'est SV pour le coup. C'est SV? C'est SV ou c'est je sais pas c'est qui. Donc là on met notre vie. Je sais plus, pourtant Steven c'était SV avec Goku et Vegeta. Et derrière il y a Vegeta et CG3, donc ça va aller vite normalement. Donc là va falloir se dépêcher. Ah, il part en SP, il gratte des secondes, ça fait pas plaisir. Allez là. C'est vrai que le brûlier l'air, il aurait fait le café. Hein. Malheureusement je fais 2 singles hier en live. Y'a rien. Ouais c'est SV. Super Vegeto. On va l'éclater en 2-2.
Il est quoi, Macias? Hop là. Bon, après, je réfléchis beaucoup quand même. Hein. Genre, en gros, je prends toujours le temps de discuter, parler, etc. Et ça, à mon avis, c'est mon plus gros problème, je pense. Donc, ouais, franchement, ça m'avait l'air bizarre, leur délire. Parce que ce n'est pas sorti sur la Jap. Je ne sais pas du tout à quoi correspond ce mode. Hop là. Après, genre, en gros, t'as pas le temps maintenant. T'as le temps après, je pense. Very intéressant tout ça. En tout cas, comme je vous ai dit, je vous laisse dans la fiche tous les boss en 5 minutes que j'ai fait. Je continuerai à en faire, bien sûr. Vous mettez en commentaire le temps que vous faites pour ces... Alors, on va faire ça. Et on va faire ça. Vous mettez en commentaire le temps que vous faites. Ah là là, il part en spé quoi. Combien il va m'enlever? Si là on le crève pas, on est mort. Si là on le crève pas, on est mort. Allez Bouane. Ouah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et là, on attaque. Vegeta. Donc, la vie... En fait, c'est comme à peu près le rush de Khan. Le boss rush. On va faire ça. On va faire un petit scène du défamille, au cas où. Et on va se dépêcher. Bon, là je les ai dépassés, hein, le temps large. Large. Parce que j'ai pas forcément pris the best of the best. Le meilleur chemin pour battre le temps. Après là on va taper Vegeta SJ3 puissance. Et on va essayer de le battre en un tour. On va voir ce que ça va donner. Je me tape deux endurance dans la première phase quoi. Allez Rosé, montre-nous tes fesses. Putain. Ça c'est pas fifou ça par contre. Oh lolo. C'est pas fifou du tout. C'est pas fifou du tout. Hein. Pour le coup, Vegeta CG3 il encaisse bien. Pour le coup. Wesh. Ça fait ça. Combien on va faire niveau time? Là je le sens plutôt mal. Je sens plutôt mal. Un coup de 6, 7, 8 minutes. Et ma team, elle est vraiment pas optimisée au max, quoi. Elle est vraiment pas optimisée au maximum. Alors, voyons voir. 6 minutes 10. Ça, c'est pas fifou, hein. J'ai vu sur Twitter qu'il y a des personnes qui ont fait 3 minutes. Il y a des personnes qui ont fait 3 minutes, il y a des personnes qui ont fait en tout 3 minutes, il y a des autres personnes qui ont fait 5 minutes. Il me semble que Fafa Dokkan ait fait le délire. Attends, il y a des personnes qui ont... T'as El Sharawan qui a fait en 4 minutes 16. Le super 2, ouais, exactement le même que le mien. T'as d'autres personnes qui l'ont fait en 3 minutes 18. Ah, franchement, vous êtes fifou. Bon, après, c'est vrai que il manque des personnages dans ma team. Et clairement, je pense que je peux faire mieux. Est-ce qu'il y a un autre niveau? Si jamais il y a un autre niveau, on le fait en vidéo. Il n'y a pas un autre niveau? Wesh. Bon, apparemment, il n'y a pas un autre niveau.
Alors comment c'est possible? C'est quoi ce délire? Un total de 3 niveaux sont disponibles. Chacun comporte de multiples. Ah voilà, ok. Ok. Après avoir terminé un niveau, la durée de votre partie sera affichée. Nanana, vous pouvez également nanana, pour donner. Ok. Bon, bah on va. Je vais prendre une deuxième chance. Hein, soyons fous. Une deuxième chance pour voir si c'est pas moi qui ai fait la connerie ou quoi que ce soit. Mais là cette fois-ci on va un peu changer le délire. Donc Rosé, Blagoku, Omega Shenron, Janemba, Buan. Et malheureusement en connure, si j'avais eu Freezer Full Power SP10, ça aurait fait l'affaire. Mais là, je l'ai pas SP10. Bon, on va rester ça comme ça. C'est vrai qu'un Broly LR ou un Majin LR, ça aurait fait le café. Je vais faire un truc. Ah, on va un peu booster, on va un peu booster l'attaque. Et là, cette fois-ci, on va prendre un autre chemin. Si c'est pas les mêmes trucs, en fait, là, ce que je vais vérifier, si c'est pas les mêmes personnes, en fait, en face. Ouais. La prochaine fois, je montrerai l'arbre. Y a pas de souci. Allez, start. Yalla, pour la deuxième chance. Donc là, le premier temps, c'était 6 minutes. Donc là, on va prendre un autre chemin. On va voir ce que ça va donner. Et on va prendre le chemin de Trunks que je voulais prendre tout à l'heure. Allez, y'a là. Donc le Trunks Ikari. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Allez. Allez, Momo, montre-nous tes fesses. On va se dépêcher, on va se dépêcher, on va se dépêcher. Allez, dépêche-toi. On va se dépêcher. Donc Trunks Ikari, il est en plusieurs phases. Il est très chiant. Et on va voir si. Mais j'ai pas trop compris les bails là. Les bails là, là, en bas. Ouais, clairement, j'ai pas trop compris les bails. Oh non, mais c'est une blague. C'est une blague, on le tue pas. C'est dans ces moments-là où j'aurais dû utiliser mes objets, quoi. Pff, c'est une blague ce jeu. Je perds du temps, bêtement. Ils ont dit 3 niveaux avec des chemins différents. Ça veut dire qu'il y a un autre niveau. Et pour accéder à l'autre niveau, faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ouais, je vois cher ta plane. Ah si, en fait, il est monté le Blagoku Rosé Ami. Enfin, le spécial qu'on prend. Il est monté. Ah ah. Donc comme je vous ai dit, mettez en commentaire le temps que vous faites et bien sûr rajoutez la team que vous utilisez. La team que vous utilisez pour le coup. Que ça soit proportionnel au temps. Là c'est pas fifou là déjà. Là ce que je suis en train de faire c'est vraiment, vraiment, vraiment pas fifou. Hop là, on va faire ça comme ça. Par contre, ah ouais, mais non. Non, non, c'est mort. On va prendre le maximum de... What the fuck. Ouais, ça fait rien. Tant pis, on va faire ça. On va faire ça. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. On va faire ça, on va augmenter. Ah là là, là je te jure là. Ah. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont faire le tournoi. S'ils vont ban des personnages. C'est. Je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va se passer en termes de tournoi. Ça va peut-être se baser aussi sur la chance au niveau de la rotation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont. Bah leur team se ressemble un peu tout. Donc. Pour le coup, j'ai été surpris de voir ça. Totalement surpris de voir qu'ils vont faire des compètes. Je sais pas du tout comment ils vont s'y prendre. Ouais, ouais. Donc tout à l'heure en live, je live vers les coups de entre 20h et 21h.
On va faire le boss rush en live. On va refaire le défi aussi en live, il n'y a pas de souci. Si vous voulez. Donc là, la globale va se bouger. Ça va faire plaisir. Ça va pas faire plaisir. Je vous invite également, hein, au cas où, si vous avez oublié de lâcher votre petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit like des familles. C'est toujours sympathique. Ah, j'avais oublié, il fallait en fait Blagoku Rosé et Blagoku ensemble pour qu'ils fassent le maximum de dégâts. J'avais totalement oublié cet event. Ah, depuis tout à l'heure. Si j'avais su, j'aurais mis Gata Isamasu Endurance, le gratuit. J'avais zappé, et oui, mon ami. Alors, Trunks. Oh là là, niveau time, là, je sais pas où on en est à combien, mais niveau time, c'est pas fifou, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas fifou tout ça. On le show au prochain tour. Mais c'est lui là, il fait pas ses dégâts, wesh. 157 000 sur 157 000, c'est pas assez. T'imagines, il le tue pas. T'imagines, il ne le tue pas. On est mort. S'il le tue pas, on est mort. Allez, Blago Corrosé, montre-nous tes fesses. S'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, ça fait plaisir. 1 million. Et la dernière phase, c'est là où il faut le tuer avant le compte à rebours. Pour le coup, il nous a bien saoulé, hein, Steven, en vrai. Donc, entre Super Végéto. Et comment ça s'appelle? Super Végéto et Vegeta CJ3. J'étais surpris de pas l'avoir one shot. Vegeta. Cette blague, on le tue pas. C'est vraiment une blague. Ce jeu, c'est une blague atomique, je te jure. Des fois, tu. Allez, allez, allez! Allez! Alors, combien de temps on a mis? Combien de temps on a mis? Combien de temps on a mis? Oh là là, 6 minutes 2 quoi. 6 minutes 2. C'est quoi ces conneries là? Alors, le premier truc, j'avais fait à 6 minutes 10. Et là, je le fais à 6 minutes 2. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Ah oui, mais parce que j'avais pris Gata Isamasu quand j'avais fait en 5 minutes le boss. Donc, comme quoi, je l'ai fait le Trunks Hikari, c'est dans la fiche. J'ai réussi à le faire en dessous de 5 minutes, mais j'avais pris, il me semble, Gata Isamasu pour le faire, pour le taper. Donc là, ça fait 2 fois que j'ai fait à 6 minutes, il faut que je refasse encore et encore, jusqu'à que je batte mes records petit à petit, et je pense que je vais le faire, et ça sera en live tout à l'heure. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu pour présenter un peu les combats de Khan effréné, qualification. Donc on va faire au maximum, apparemment c'est les qualifs pour la suite, pour le tournoi, je pense, de ce que j'ai compris. Donc on verra ce que ça va donner. Donc vous mettez... mettez tout ce que vous avez pour tenter de participer à ce combat de Khan effréné. Mettez en commentaire donc vos temps plus vos teams pour voir à peu près comment ça se passe, si vous avez utilisé des objets ou pas du tout. En live, tout à l'heure, on le fera et on fera également le boss rush. Donc je vous fais 1000 bisous les pélos. Je vous fais 1000 bisous, passez tous une bonne journée et on se dit à tout à l'heure. Ciao ciao les pélos, ciao ciao.